Ça c'est à titre personnel. Euh, voilà, je pense que ce serait mieux qu'on travaille l'agronomie. Donc, euh, on va parler d'une thématique très simple, c'est Sauvons la planète avec les plantes. Voilà. Parce que c'est le seul sujet qui doit nous préoccuper. Il est probable que dans l'avenir proche, on le pressent déjà. La totalité des modèles qui sont euh, supposés... Euh, en 2002, il est ça brûle, brûle on, et on regarde, regarde ailleurs, ailleurs, mais en, en 2020, ailleurs, 2020, ça brûle ailleurs. on regarde ailleurs, et en 2021, ça brûle et on regarde ailleurs. En fait, ce qui est intéressant, quand vous collez tous les grands incendies de la planète bout à bout, vous vous rendez compte qu'il se passe quelque chose de très particulier sur la Terre qui est la destruction du végétal. Et moi, je connais une partie du globe où le, le végétal a été détruit depuis longtemps. Ici, là, vous voyez, hop, 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 et là, on est arrivé en Chine. Et donc, on voit apparaître sur le globe une ceinture désertique qui est liée par une déforestation intense des systèmes végétaux. Et donc, ici, vous avez tout le croissant fertile, voilà, qui était là. Et on peut dire qu'il n'est plus fertile. Et dans ce qui reste, des traces du croissant fertile ici, vous avez des incendies à n'en plus finir. C'est-à-dire le peu qui reste, on le brûle. Donc c'est ça qui devrait inquiéter le monde. Et puis finalement, si je regarde mon agriculture, je vais avoir quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que systématiquement, quand je fais un travail agricole, je détruis du végétal. Et la première cause de disparition du végétal, ce n'est pas un pesticide, c'est un outil. Ça s'appelle une scie, une binette, une arère, et aujourd'hui un bulldozer, une pelleteuse et une charrue. Et là, pareil, bug. On va se tromper de débat. On pense qu'une agriculture biologique sans pesticides pourrait nous aider à sauver le climat. Non. Si elle continue à utiliser les outils, elle va le détruire encore plus vite. Puisque le croissant fertile qui n'est plus fertile a été détruit par une agriculture biologique qui travaille avec des outils. Voyez les bugs qui arrivent. Ça va chauffer. Ça chauffe déjà, en fait. Et donc, on a commencé à regarder des sols vivants, qu'est-ce qu'ils font eh bien, Ils font des agrégats, ils collent la terre. Hein. Voilà, on végétalise la terre et ça va beaucoup mieux que dans un sol non végétalisé qui se transforme en pierre sous l'effet du soleil. Si vous voulez faire un désert, laissez le soleil cuire le sol. Simple. Mais pas très efficace pour faire de l'agriculture. Hein. Et puis, euh, on va être confronté à un dilemme. De plus en plus de CO2 dans l'air, eh bien, on va décréter qu'on arrête d'en envoyer. C'est pas mal. C'est affaire d'urgence. Mais ce qui est déjà dedans, tous les modèles du GIEC qui vont arriver à Glasgow dans un mois vont dire que ça y est, on a dépassé l'objectif des deux degrés. C'est quatre ou cinq là qui nous attendent. Donc, non seulement il faudra arrêter d'en envoyer, et le plus vite sera le mieux. Donc là, vive la R&D, l'innovation, et puis on sait pas tout ce qu'il va falloir faire. Mais toute la flotte des camions agricoles doit passer au biogaz d'urgence rapidement. Donc il va falloir produire localement du biogaz pour les flottes de camions. Donc tout le vin qui se vend pas, il va faire du biogaz. Tac, terminé. Et ça va aller dans le camion du négoce. Ou de la cave, ou de je sais pas oui. Où sont les projets de développement Nous sommes en retard. L'Italie a déjà 20% de sa flotte en gaz. C'est Fiat qui est leader sur le marché. Et donc, sur le local, ça marche déjà très bien. Et donc, on se rend compte que de plus en plus de CO2, il faut arrêter d'en mettre. Mais tout ce qu'il y a déjà de mis, il va falloir le récupérer. Et pour le récupérer, vous n'avez pas d'autre solution. Le seul capteur de carbone disponible sur la planète, ce sont des plantes. Tout le reste, vous oubliez des débiles manteaux qui vont essayer d'envoyer du fer dans l'océan ou je ne sais pas quoi dans l'atmosphère pour vous changer le climat. Oh, mais faut arrêter tout de suite. Des milliards investis dans de la bêtise humaine. Non le seul capteur rentable pour l'humanité c'est d'utiliser une plante parce que la plante elle fait le job sur la terre depuis ben depuis très longtemps et la vigne une excellente plante pour faire le job c'est une pérenne en plus et donc on se rend compte que l'agroécologie ben, elle va consister à végétaliser tous les sols à les couvrir en permanence et à capter de plus en plus de carbone par des combinaisons végétales performantes. Qu'il faudra mettre au point, qu'il faudra améliorer, qu'il faudra gérer. Il y aura des maladies, ça ira pas tout seul, on sait pas tout faire, on a des problèmes de pondéreux, Enfin bref, la R&D, elle n'est pas au boulot réellement. Et donc voilà ce qui s'est passé sur la Terre il y a 500 millions d'années. Il y avait 22 fois plus de CO2 dans l'atmosphère. Ici, là, ici. Là, vous avez beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Et dans cette phase-là, eh bien, il va se passer quelque chose. Les plantes, pour la énième fois, vont essayer de coloniser la Terre et elles vont y arriver. Elles vont maîtriser un déchet terrible qu'elles ont à gérer. On verra lequel. Et donc, elles vont commencer à proliférer sur la Terre et à capter du carbone dans l'air, le CO2. Et au fur et à mesure qu'elle capte du carbone, donc on a une croissance exponentielle de la captation de carbone et une décroissance tout aussi exponentielle de la quantité de CO2 dans l'air. Et donc on voit bien que ce sont les plantes ou la photosynthèse en général, parce que le plancton y participe à ça, qui fait le job. Donc aujourd'hui où les gaz à effet de serre augmentent, il n'y a que le végétal et la photosynthèse pour faire le job en sens inverse. La question c'est combien vous avez de plantes dans vos champs Mais moi je sais une vigne, rien, une vigne, rien, une vigne sur à peine un tiers de la SAU. Nous sommes très 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 mauvais. Pour dire, nul. Pas de végétaux. Et en plus, on a des végétaux qui montent avec la vigne. Où est l'horizontalité de la couverture Voyez. Donc, allez, il va falloir imaginer la suite. Et donc, on se rend compte que les plantes ont fait le job. Donc, elles vont manquer de CO2. Il n'y en a plus. 0,03 Voilà. Ils y sont arrivés. elles y sont arrivées à 300. Il y a 300 millions d'années. Et aujourd'hui, on est à peu près au niveau d'il y a 300 millions d'années. Et puis il y a des couacs, alors on remonte, des gaz à effet de serre remontent, et les plantes refont le job pour revenir à un endroit qui a l'air idéal, qui a l'air celui là, ça dure 100 millions d'années, c'est l'âge d'or des plantes que vous avez ici, et nous faisons les imbéciles et repartons comme ça. Parce qu'aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre, elles sont liées à l'homme. Alors du coup, on se dit ben les, ventes, elles ont, les plantes elles ont inventé un truc extraordinaire, elles ont inventé le cycle réellement, un vrai cycle. Pas un, pas un cycle de vie comme je l'analyse dans mes bilans carbone. Non, un vrai cycle du carbone. Voilà ce qu'elles ont inventé. Et du coup, ce cycle, voilà comment il se présente. Une plante pousse, elle capte du CO2, elle transforme du gaz en matière réellement. La photosynthèse. Et cette matière, maintenant, ben, ce carbone, il manque dans l'air, il n'y en a plus. Donc la plante est embêtée, il faut le renvoyer. Donc elle a des mangeurs de plantes. La biodiversité associée aux plantes, ce sont des mangeurs de plantes. Et donc les mangeurs de plantes, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire quand je mange de la salade, je respire et je recrache du CO2 que la plante récupère par sa photosynthèse. Tous les êtres vivants associés aux plantes sur la terre font ça. Je prends, je remets. Première partie du cycle. Mais il y a des déchets. Des déchets, des feuilles mortes, du bois, des branches, des excréments, de l'urine, etc. Et ben, tous ces déchets, ils tombent sur le sol. Et le sol, c'est l'entité de recyclage extraordinaire et parfaite qui existe sur la terre. C'est-à-dire que tout ce qui va retomber sur le sol sera recyclé en élément minéraux NPK et de l'humus en stock. Et la plante, elle retape là-dedans les minéraux pour continuer à pousser. Et vous avez un vrai cycle qui se met en place avec trois grandes entités. Produire, consommer, recycler. Parce que je recycle tout et que je suis dans un cycle, je ne manque jamais de rien. Et avec 0,03% de CO2 dans l'atmosphère, je produis tout sur la Terre. Et donc, on a appris en économie que quelque chose qui est rare, c'est cher. Et là, on nous dit que c'est rare et c'est gratuit. Nous sommes dans un bug collectif de modèles qui ne fonctionnera pas. Là, ça fonctionne. Et ça fonctionne durablement depuis trois, quatre cents millions d'années. Le vrai développement durable, il est là. La plante, elle nous montre la voie. Et nous, que faisons-nous Nous détruisons les plantes. C'est gravissime. Et nous nous bouchons les yeux en pensant qu'avec une analyse de cycle de vie sur un modèle linéaire, on va y arriver. C'est juste pas possible. Il faut faire les, les analyses d'émissions de CO2 dans le modèle linéaire, oui. Pour savoir où je vais travailler, etc. Mais pour lutter contre le réchauffement climatique, j'ai intérêt à apprendre la leçon vite. Et la leçon, on la connaît. Tout ça, je trouve ça dans les bouquins. Il n'y a rien de neuf. Cette courbe-là, par exemple, elle est apprise en troisième, en SVT, aux enfants. Personne ne la connaît. Voilà. Et donc on sait l'ONU l'a dit depuis très longtemps eh bien pour avoir ben, des salles, des services écologiques, de l'alimentation, de l'environnement, de l'eau propre, de la pollinisation, etc, pour avoir tout ce qui existe sur la Terre, il faut une seule chose il faut qu'il y ait le plus possible de biomasse avec la formation du sol, hein, le cycle des nutriments, c'est à dire ce grand cycle là qui donne la durabilité du système. Donc il n'y a pas d'échappatoire, les paysans, ils doivent rentrer dans le modèle de la nature, copier la nature pour faire de l'agriculture. Et ça, ça marche comment Eh bien, une feuille morte tombe par terre et elle va se faire décomposer par la biodiversité, d'abord des gros broyeurs mangeurs, puis des plus en plus petits, et au final, vous avez de l'humus qui va apparaître, et on se rend compte que dans le cortège de la vie, vous allez... Euh, ben, vous allez diffuser du carbone, vous êtes nourris par du carbone et vous êtes les gestionnaires du carbone. La biodiversité gère le carbone en fait réellement et pour avoir de la biodiversité, que faut-il faire bien moi, je suis de la biodiversité, un éléphant c'est de la biodiversité, une bactérie, c'est de la biodiversité. Pour avoir de la biodiversité, il faut deux choses essentielles. Une maison en bon état et de la nourriture dedans. Et une maison, ce sont des fondations, des murs, des pièces, du vide et un toit. Et le toit de ma maison, ce sont les plantes. Enlevez les plantes et déjà votre maison va s'écrouler. Passez une machine, vous détruisez les fondations. Est-ce que vous connaissez une seule société biologique capable de résister à une destruction de maisons et d'habitats trois fois par an Ça s'appelle la guerre, ce truc-là. Ce n'est pas très économiquement et socialement florissant. Donc on est très inquiet de ce qui se passe. Donc la terre noire, on l'a là, la terre preta, et vous avez là typiquement une construction paysanne d'une terre fertile indestructible. Donc il y a des paysans qui, depuis 10 000 ans, ont bossé à la fertilité organo-biologique du sol et à stocker du carbone dans les sols. Eh bien, nous, de notre puissance technologique. Et économique, nous sommes incapables de reproduire ce qu'a fait un Amazonien précolombien dans la forêt vierge. Et quand je défriche la forêt, il ben, n'y a rien qui pousse. Quand je fais de la terra preta dans la même forêt, c'est fertile à vie. Ça pousse sans intrant. Je trouve de la terra preta, j'enlève je, la forêt, je mets du maïs, des légumes, n'importe quoi, ça pousse. Comme le premier jour qu'un paysan a créé cette terre fertile. Eh bien, on n'y est pas. Mais là, je vous garantis, vous stockez du carbone. C'est 30% de matière organique, ce truc -là. Certains disent même plus. Donc, on est inquiet. Le cycle de fertilité, le voilà. Une plante pousse, elle pompe des nitrates. Pas de nitrates dans le sol. Parce que les nitrates, s'ils sont mal gérés, ils lessivent et ils font du protoxyde d'azote. Vous voulez supprimer le protoxyde d'azote, supprimer les nitrates, hein, c'est simple, hein. sauf que la préconisation, c'est on met des nitrates partout, hein. dès que je travaille le sol, j'en fais, le bois retombe, les bactéries, les champignons s'en chargent, la litière se dégrade noircie, elle est mangée par les vers, les vers font de l'urine et des excréments, urine, minéralisation, les plantes poussent, excréments, humification, stock d'humus dans les sols. Et ça tourne en boucle à nouveau toute la nature tourne en cycle réellement. Donc ça, c'est le cycle de fertilité. Mettez un outil là-dedans, vous le dégommez. Parce que vous détruisez les habitats, vous détruisez les habitants, vous enlevez la paille et vous ne permettez pas au sol de stocker du carbone. Alors on a mis ça en place et on a réfléchi à l'arbre. Je vais vous préparer la suite. Donc l'arbre, il nous pose beaucoup, beaucoup de questions. Combien de temps peut vivre un arbre et moi, j'ai la réponse. Je sais que certains arbres vivent très longtemps. Combien de temps euh, Voilà. De quoi a peur un arbre Est-ce que vous savez de quoi a peur un arbre Aujourd'hui, je serais un arbre, j'aurais peur de l'homme. Hein, c'est sûr. Hein Mais d'une tronçonneuse ou d'un bulldozer. Hein Mais en fait, c'est pas de ça qu'il a vraiment peur. Et puis, l'arbre a appris à se protéger contre ce dont il a peur. Et puis, euh, on va voir de quoi il est constitué. Et puis là, vous êtes médusé. Voilà un arbre. Un arbre, ça fait de la photosynthèse. Et puis, on se rend compte que, eh bien euh, avec les ingénieurs forestiers, euh, l'arbre, il a un bilan net où il produit de l'oxygène et de l'eau. Il capte du CO2, voilà, et il produit de l'oxygène et de l'eau. De l'eau neuve qui n'a jamais existé sur la Terre. Vous voyez, c'est extraordinaire. Tout le monde va chercher de l'eau. Là, les arbres, eux, ils savent faire de l'eau. Et puis, euh, il a un autre problème, parce qu'il a un déchet, un déchet extraordinaire, qui est l'oxygène. Si pour moi, l'oxygène, c'est la vie, pour l'arbre, l'oxygène, c'est la mort. Et ça, c'est bluffant. En fait, on regarde pas bien. De quoi est constitué un arbre eh C'est du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène et de l'azote. Voilà. Ça, ça constitue l'arbre. Ce sont des gaz qui le constituent. L'hydrogène de l'eau, l'oxygène dans l'eau, d'accord? Le CO2 dans l'air, l'azote dans l'air. Donc, c'est les gaz qui constituent les plantes, globalement. Donc, on va se rendre compte que le bilan net de la photosynthèse, c'est une, comment dire, c'est une récupération du CO2. C'est un rejet d'oxygène. Et l'oxygène est le déchet numéro un des plantes qui les met en danger de mort. Voilà. Et puis finalement, si vous regardez la composition de la de l'atmosphère, vous avez d'abord du de l'azote, puis de l'oxygène, 21%. Ça fait 99% de tous les gaz que vous respirez. Et finalement, quand on s'intéresse aux gaz à effet de serre, on est médusé. C'est des gaz rares. C'est-à-dire, qu'il n'y en a pas. Le CO2, c'est 0,03, alors 0,4% maintenant. Hein. Avec la société industrielle. Donc il y a un problème sur les gaz. Pour ce problème-là, ben, on essaye de le comprendre. On essaye de le comprendre. Voilà un arbre qui vit 5000 000 ans. Hein, Général Grant. Allez, hop, les États-Unis sont là. Hein, et vous avez ce genre de phénomène sur la Terre. On a la composition de cet arbre et on se rend compte que le minéral là-dedans, c'est peanuts. C'est à peine, allez, euh, tout vient de l'air. Hein, C'est à peine 0,2 C'est le minéral de l'arbre. Donc il faut faire tourner du gaz. Et on se rend compte que un arbre, ça peut vivre très vieux. Ça va avoir peur finalement euh, de l'oxygène. Hein, et à un moment donné, ben, il va fabriquer des systèmes anti pour se sauver la peau et vivre très très vieux. Des antioxydants. Qui est-ce qui a déjà traité la vigne avec des antioxydants On ne sait pas. C'est la voie royale de succès de l'avenir de l'agriculture, etc. Et donc voilà l'équation qui pollue. De quoi a peur une plante Une plante, c'est constituée de carbone. En présence de son déchet, l'oxygène. Si la température monte, eh bien, il va y avoir du feu. Et les plantes ont peur du feu. Et donc, c'est pour ça qu'en permanence, elles couvrent le sol, elles captent du CO2 et elles gèrent l'oxygène. Elles refroidissent la terre par évapotranspiration. La photosynthèse est une réaction biochimique qui climatise la terre. Et moi, comme un imbécile, j'enlève les plantes de partout. Bah, vous hein, voyez qu'il va y avoir un problème. Alors oui, il faudra que je baisse les émissions, mais il faudra surtout que je mette des plantes partout. Voilà, et ça, ça doit faire partie du projet agricole. Si ce projet agricole n'arrive pas, nous sommes littéralement cuits. Donc on y va. Hop, il va falloir végétaliser. Tous les milliards des milliardaires du monde doivent s'employer à végétaliser les sols. Partout, y compris là où on a fait le désert il y a 10 000 ans dans le croissant fertile. Alors on n'y est pas. Qu'est-ce qu'on fait en Arabie Saoudite On vide la nappe, on fait des trucs sous pivot, dans le sable, et on oublie de planter un arbre. Conclusion on a vidé la nappe, tout crève, on laisse ça à l'abandon, terminé, ciao Bravo les mecs Donc, euh, regardez ce que nous dit la Terre. En plein soleil, il va monter de 30 à 60 degrés. Alors ici, c'est plutôt à 50, parce qu'on fait ça dans un endroit où ça chauffe pas trop. Mais vous allez sous la litière, c'est-à-dire le toit de la maison qui est en paille, et eh bien vous climatisez à 25 degrés. C'est ce que montrent ici les travaux de, de la cave à on est, on est super bien, on se dit « tiens, j'ai couvert le sol avec de la paille, ça ne chauffe plus pareil ». Et donc, je vais commencer à climatiser le sol pour que la biologie puisse bien vivre dans une maison climatisée. Et puis, quand je suis à l'ombre d'un bosquet, ben, c'est encore mieux, ça baisse encore. Et donc, on voit bien que c'est les plantes qui font le job. Et que c'est le soleil qui nous embête le plus. Donc, on a trouvé des plantes qui vivent éternellement. Vous avez une forêt. Alors, ça, c'est un peuplier. 80 000 ans. Vous voyez? Donc elles ont réussi à gérer le soleil et l'oxygène. Elles font de l'ombre, elles font de l'évapotranspiration, elles climatisent, elles font de l'humus et ça survit très bien. Donc on a de la graine à prendre. Alors on a fait des belles images, des jolis dessins. Alors écoutez bien, hein une civilisation se développe lorsque les anciens plantent les arbres sous lesquels ils ne se reposeront jamais. Donc il va être temps de végétaliser plus vite que prévu les milliards c'est là qui doivent aller. et puis euh, on travaille sur la vigne on se rend compte que la vigne en fait elle est sortie de la forêt parce qu'elle est de la ripisylve et elle va dans le désert parce qu'on l'a adaptée à ça. et donc euh, plus vous enlevez le végétal plus vous avez des pathogènes et donc l'idée c'est de revenir en arrière et de revégétaliser de plus en plus. Et la vigne pourrait nous permettre de faire ça parce qu'elle a une faculté extraordinaire. Si vous la faites un tout petit peu monter, elle va vous ombrager le sol, l'interran, sur lequel vous pouvez cultiver beaucoup plus facilement. J'ai dix mille hectares d'une plaine de blé où il n'y a plus rien, même pas une vigne qui pourrait faire de l'ombre à droite à gauche. Ça va être beaucoup plus dur. C'est pour ça que le bocage a été une invention extraordinaire de mettre une forêt verticale en complément des parcelles agricoles. Et la vigne, si vous le voulez, c'est un mini bocage. La verticalité de la vigne, l'horizontalité de la couverture que l'on doit apprendre à bien gérer. Donc ça, c'est intéressant. Donc, on sait qu'on va pouvoir y aller. Voilà la définition de l'agroécologie que vous allez voir apparaître partout, qui va être marketée, que vous devez reprendre et diffuser. Dans agroécologie, vous avez trois termes. Agroécologie. Agro, c'est agro, aguerre, c'est le champ, c'est la parcelle agricole. Voilà. Écho, du grec oikos, qui veut dire maison. Donc, ma parcelle agricole est une maison pour la biodiversité associée aux plantes. Voilà. Et logis, ça vient du grec logos, qui est la science. Donc c'est la science du champ, qui est une maison dans laquelle habitent énormément d'habitants. Et quand tout le monde s'exprime, ces habitants font pousser les plantes toutes seules. On peut devenir auto-fertile. Donc là, les économies d'engrais, d'azote, etc., vous les avez. Donc c'est une construction du végétal avec l'aide de la biodiversité. Hors de ça, point de salut. Quelqu'un qui pense qu'il va travailler le sol pour faire de l'agroécologie, il est mort debout. Ça ne marchera jamais parce que ça fait dix mille ans que ça marche pas. Et puis, euh, on a commencé avec les plantes à faire des choses extraordinaires. On sait désherbé avec les plantes. Donc, qu'est-ce qu'on s'embête encore avec du glyphosate ou autre chose Mettez vos plantes à contribution et vous verrez des résultats extraordinaires. Alors oui, je sais, ce n'est pas facile, etc. Mais profitons de nos intrants pour apprendre quelque chose de nouveau. J'ai raté, j'ai encore le glyphosate pour corriger. Mais quand j'ai réussi, j'en ai plus besoin. Et là, je stockerai du carbone demain. Voilà, parce que le stockage de carbone, il va dépendre de la couverture du sol du zéro travail qui enlèvera la compaction, du zéro herbicide, parce qu'en vigne, ce sera possible assez facilement. Je vais être un producteur de biodiversité et je serai auto-fertile et autonome. Avec la crise de l'azote qui se prépare, on n'est pas prêt, les gars. Ça fait 20 ans qu'on pinaille, qu'on dit que c'est trop difficile, qu'il ne faut pas y aller, etc. On n'est pas prêt, la crise arrive, on va se faire atatiner. Alors finalement, euh, qu'est-ce qui va se passer ben, Il va se passer ça, c'est-à-dire que je vais être dans une phase où je dois passer du travail du sol et du sol nu à un sol de plus en plus couvert. Travailler la terre avec un cheval, ça ne sauvera pas la planète. Par contre, écraser des couverts végétaux avec un cheval, ça peut être. Voilà. Donc il faudra très rapidement corriger le tir. Et donc. Euh, dans, il y a un secret dans le message Sauvons la planète avec des plantes. Si j'enlève le E de l'erreur dans le mot planète, j'ai la solution plante qui apparaît. Et le E de l'erreur, vous pouvez lui donner un nom. Ça s'appelle une exploitation. Plus jamais je ne veux un paysan qui exploite la terre. C'est juste plus possible parce que j'ai exploité tout, même les enfants pour me faire des fringues à pas cher. Enfin c'est honteux. Le mot exploitation, il détruit la terre. Bon. Alors maintenant on va corriger le tir, on va essayer de s'en sortir. Et donc on sait que le bilan unique, c'est votre outil de management. Et puis là, on va tordre le cou à un outil. Le bilan humique de l'INRA actuellement, SIMEOS AMG, n'est pas un bon outil parce qu'il n'est pas calé sur ce qu'il se passe. Il stipule que 70% du carbone de votre sol est stable et ne se perd pas. Or, vous avez des sols à 0,8% de matière organique, 0,5% certains, à peine un pour d'autres, alors que vous avez des à 3%. Donc, le modèle actuel qui sous-tend la séquestration de carbone dans le sol est faux. On va avoir du mal. On a repris le vieux modèle, le bilan humique depuis énorme, parce qu'il est meilleur, il est plus calé sur vos analyses, il suit, il montre que vous pouvez dégrader le sol ou les reconstruire. Voilà, il n'a pas l'hypothèse que c'est stable. Non, plus je travaille, plus j'oxyde, plus je minéralise, même ce qui est considéré stable dans les sols. Parce que vos analyses le disent, vous êtes au ras du désert et le modèle vous dit que ça ne devrait pas arriver. Regardez bien, si à AMG, j'ai 3% de matière organique, 70% de matière organique stable qui ne se dégrade pas. Donc ça veut dire que si je travaille le sol, je passe de 3 à 2. J'ai perdu 30%. Sauf que vous, vous avez 0,5. Ça veut dire que les deux, vous les avez perdus. Vous avez perdu le stable. Donc le modèle est faux. C'est enfin, gravissime. Où sont les agronomes À l'INRA, je dois enlever le A. Enfin, moi, je le fais. J'en ai le bol Il bouge, faut qu'il bouge, il revienne, faut qu'ils revienne, il mesure, faut qu'il mesure, il faut qu'il nous accompagne. Faut qu il faut qu'ils sortent de la modélisation de bureau. Faut il faut qu'il regarde les analyses qu'on fait dans les labos. Et donc. On a repris le modèle du pn 1. Donc, vous pouvez humifier et vous pouvez perdre de l'humus. Le K1, j'humifie. Le K2, je perds. Et je perds quand je travaille le sol, le climat, la nature des sols et les intrants. Voilà. Et donc, on peut faire un bilan humique relativement simple avec les variables du modèle. Et le modèle est robuste. Il existe depuis 47. Il a été performé jusqu'en 2011. Il a été repris dans le modèle entier, ce modèle-là. Et donc, on voit à tout prix un nouveau modèle, mais qui ne marche pas, puisqu'il ne correspond pas aux analyses. On va souffrir. Et donc, voilà ce qu'on fait. On applique le modèle, et donc le modèle nous donne la quantité du muscle que vous allez produire dans un sol, le K1. Donc ce K1, euh, ben, j'ai des apports, euh, soit je mets du compost, du fumier ou quelque chose, je restitue les déchets des plantes, je vais humifier, produire de l'humus, et de l'autre côté, j'exporte de la matière, mais qui ne rentre pas dans le bilan, j'ai de la matière organique qui va se perdre avec mes pratiques agricoles, c'est la minéralisation de l'humus, le coefficient K2, j'ai perdu de l'humus, et à la fin, je fais le solde, gain, perte, égal, positif, négatif, simple. Ça vous donne non pas un chiffre en valeur absolue fiable, ça vous donne comme tous les modèles une tendance: je stocke du carbone ou je déstocke du carbone. Voilà ce que ça me donne et moi, ce qui m'intéresse n'est pas forcément le chiffre en valeur absolue, c'est la bonne tendance. Je travaille bien ou mal et du coup, on va prendre un exemple très simple qu'on pourrait avoir ici j'ai une vigne. J'ai un sol qui est argilo-calcaire. Qu'est-ce que je fais ensuite J'ai 1% ou 1,5% de matière organique dans ce sol. Voilà, c'est ce que me donne mon analyse. Et je vais comparer sol nu, sol couvert. Je vais comparer cavaillon nu, cavaillon couvert. Je vais faire du désherbage mécanique avec travail du sol, comparé à du semi-direct sous couvert avec roulage permanent des végétaux. Et puis je vais mettre 60 unités d'ammonitrate parce que ça se fait encore assez couramment bien que tout, il faudrait plus jamais en mettre, il vaudrait mieux mettre de l'urée à la place, vous auriez mieux au niveau bilan, et puis on va faire une gestion phyto classique. Et donc on va comparer deux bilans humiques, je travaille le sol, il est nu, je mets de l'engrais, je travaille pas le sol, il est couvert, et je mets le même itinéraire à technique. Eh bien, dans le premier cas, le sol est nu, j'ai fait 70 hectos à l'hectare, qu'est-ce qui va m'arriver? Eh bien, les apports organiques sont très faibles, c'est un petit peu de feuilles mortes, les sarments de la vigne et un petit peu de racines, parce que je l'ai tellement rogné qu'elle n'a pas fait de racines réellement. Donc, de totalité des apports, des sarments, etc., deux tonnes de matière sèche qui reviennent au sol. J'ai 20% qui va humifier, donc je vais produire 400 kilos d'humus. Alors pour la petite question qu'il y avait tout à l'heure, quand vous avez de l'humus, vous divisez par deux, vous avez le carbone. Donc là, je vais mettre 200 kg de carbone, et quand j'ai le carbone, je multiplie par 3,7 pour avoir du CO2 à nouveau, multiplié par 4, plus simple. J'ai stocké 800 kg de CO2 dans le sol. Là. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai fait J'ai exporté ma culture, enfin ma récolte, donc tout va bien, je fais mes 70 hectares. Par contre, avec le travail du sol et mon sol nu et la l'ammonitrate, je vais minéraliser 0,74 tonnes du mus que je vais perdre pour faire pousser la vigne, et en CO2, et en protoxyde d'azote, et en nitrate qui lessive. Bonjour la catastrophe. Et donc, entre la perte de 0,74 tonnes du mus et le gain, il va m'en manquer 0,34 tonnes du par hectare et par an. Et donc, inexorablement, mon taux de matière organique baisse. Et ça, vous le voyez dans vos analyses. Alors, à 0,5, on perd plus grand-chose. Hein Et vous êtes au ras du désert. La première sécheresse, oh là là Catastrophe, il me faut irriguer. Hein mais non, mais arrêtez les bêtises. Remettez de l'humus. voilà. Et là, vous aurez besoin de moins irriguer. Donc, on y est. Alors, le, le copain, qu'est-ce qu'il fait ben, lui il fait la même chose, mais il a mis des couverts végétaux. Eh bien, avec les apports organiques liés aux sarments, toujours de tonnes, etc. Mais on va avoir euh, des couverts à six tonnes de matière sèche entre la biomasse aérienne et souterraine. Donc, on va amener quasiment huit tonnes de matière sèche végétale au sol. 20% on fait de l'humus, Donc, vous avez 1,6 tonnes d'humus qui va se produire. Et de l'autre côté, je fais quoi? Eh bien, je vais stopper le travail du sol qui est l'outil de destruction numéro un de tout l'environnement dans le système agricole, plus de minéralisation de l'humus, peu de pertes, je vais perdre un tout petit peu, 0,1 tonne d'humus, donc finalement quand je vais faire le bilan, je vais gagner tous les ans 1,54 tonnes. En gros, je divise par deux, ça me fait le carbone. Donc, allez, 1,8 ou 1,6 divisé par 2, ça fait 800 kilos de carbone qui vont être stockés. Je multiplie par 4, 4 fois 8, 32. D'accord Ça veut dire 3,2 tonnes de CO2 qui est stockée là-dedans. Voilà. Et avec ça, vous allez commencer à avancer. Alors, le chiffre est peut-être pas juste, ce n'est pas grave, mais vous allez trouver les grandes différences dans les pratiques agricoles quand vous allez appliquer le modèle. Et ça va vous encourager à aller dans le bon sens. Si vous avez un modèle qui vous dit que vous gagnez rien, vous déstockez rien parce que c'est meilleur AMG, c'est ce qui va arriver quand on le teste, c'est nul, d'accord Et qui vous dit que c'est stable, que vous risquez rien, vous pouvez gratouiller, vous pouvez patouiller, vous pouvez faire n'importe quoi, c'est pas très grave. Enlevez l'azote. Non, pour produire du végétal, il va falloir mettre de l'azote, parce qu'avant de faire du carbone, il faut faire pousser une plante réellement. Donc la fertilisation est un outil clé dans la bataille. Alors organique ou minéral, pas de souci. Mais à un moment donné, il va pas falloir faire n'importe quoi. Commencer par enlever l'intrant, c'est la plus grande erreur du monde. Je dois d'abord m'occuper à mettre la machine en bon état pour qu'elle fonctionne de façon auto-fertile en stockant du carbone. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Parce que je pense que c'est plus important que jamais que ce message-là arrive et qu'on se mette au travail parce que le travail est simple. Il suffit de couvrir les sols, de les gérer en permanence couverts et de sauver la planète avec des plantes. Voilà. Je vous remercie. Merci Conrad. On est on est jamais déçu avec toi. On prend quelques quelques coups de poing à l'estomac, mais c'est pas grave. C'est ça fait partie du jeu et c'est ton talent en particulier. Est-ce qu'il y a quelques questions Alors il a quand même grillé son temps de questions-réponses, mais on va lui laisser un petit peu. Est-ce qu'il y a quelques questions On en prendrait trois par exemple et ensuite on, on enchaînera. Bonjour. Dans la, pour le développement des plantes, vous avez dit que l'urée serait mieux que la monitrate. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Et quelle place a l'irrigation selon vous dans cet objectif Alors, l'urée, c'est beaucoup mieux que la monitrate parce que la monitrate est une azote oxydée. Quand une plante récupère de la monitrate, elle doit. Du, du, des nitrates, ré, réellement. Les nitrates, en fait, vont au niveau de la feuille poser problème. La plante. Au cours de la photosynthèse, elle sépare l'azote de l'oxygène pour faire sa protéine. Elle récupère le N. Donc il reste O3. O3 dans une cellule, c'est de l'ozone, désinfectant puissant qui va tuer la plante. Donc la plante, elle a un problème, elle doit neutraliser ce O3, agent oxydant puissant. Donc qu'est-ce qu'elle fait Elle appelle de l'eau. Et donc à chaque fois qu'elle a de l'eau, elle a H2O, elle va prendre un H pour envoyer sur le O3 qu'elle a dans sa cellule. Donc elle va faire un OH- et un deuxième OH- au niveau de sa cellule. Donc elle a besoin de trois fois de l'eau pour neutraliser un nitrate. Conclusion, ben, elle est embêtée avec son OH- qui est une base à pH 8 ou 9. Donc elle la réinjecte dans sa racine. Et du coup, dans sa racine, pH 8, elle ne peut plus prendre ni le phosphore, ni les minéraux, ni les oligos, ni rien. Pigé Urée, NH2, facile. Je prends le N, il me reste hydrogène, hydrogène. Je réinjecte dans la racine directe. Je sais faire ça depuis 400 millions d'années, parce que l'azote de la nature, c'est de l'urine. Désolé. Hein mais c'est la réalité. Tous les êtres vivants pissent et chient. on ne peut pas le dire autrement. Hein Alors après, je deviens poli, c'est urine, urée. Hein Mais globalement, il faut quand même réagir sur le béaba de la nature. Hein et donc, quand elle a de l'hydrogène, elle envoie l'hydrogène dans sa racine, pH4, donc elle peut hydrolyser le calcaire, récupérer le phosphore, etc. Et elle est mieux nourrie avec une fois de l'eau, pas trois fois. Donc plus vous avez de nitrates, plus vous avez des plantes en danger, plus elles sont malades, plus vous avez besoin d'eau, et donc vous êtes à l'envers de ce que fait la nature. Donc l'irrigation, ça sert à quoi Ça sert à démarrer un tas, une végétation dans un tas de sable. C'est-à-dire un tas de sable, c'est stérile, artificiel, il n'y a plus rien. Et dans un tas de sable, grâce à l'irrigation, je peux construire de la matière organique à condition de bien la gérer. Pas comme mes imbéciles avec leurs trucs en plein désert là-bas. Hein Merci. Notre question Là, il y a deux questions. Donc, euh, du coup, euh, pour en revenir au, au sol sableux. Euh, la seule, euh, le seul apport de matière organique suffit à, à refaire fonctionner le sol euh, de manière optimale. Ou est-ce qu'il faut aussi, euh, par exemple, rééquilibrer sur de l'argile ou des choses comme ça Non, l'argile, c'est quasi impossible de l'apporter. Si tu veux, c'est, c'est trop pondéreux trop onéreux, trop compliqué. Donc toi, tu dois faire confiance à une plante. Des plantes poussent dans du sable. Si tu leur mets du NPK et de l'eau pour démarrer, d'accord une fois que tu as le carbone qui arrive, tu produiras de l'humus. La biologie du sol et la plante vont produire de l'humus. Les seuls producteurs d'humus, c'est l'activité biologique, les vers de terre et les champignons, associés à la plante. D'accord Et donc toi, tu vas petit à petit sortir de ton tas de sable, qui va être de plus en plus organo-biologique demain. D'accord Donc, euh, et ben là, t'es obligé de piloter à l'intrant. Euh, aux États-Unis, il y a des expériences comme ça depuis un sol où il n'y a plus rien. Aujourd'hui, il y a une couche de 40 cm de terre humifère noire parce qu'on a fait confiance aux plantes, toujours couvert, jamais travaillé, bien fertilisé, bien irrigué, restitué du végétal, bilan humique positif. D'accord Donc c'est simple à faire. OK, euh, dans le cadre de l'agriculture biologique, du coup, euh, qu'est-ce qu'on a comme option comme euh, fertilisation parce que l'urée par exemple, c'est pas forcément euh... Non, mais tu as des fertilisations organiques qui fonctionnent bien. Actuellement, dans la crise de l'azote, jetez ça parce que ça vaut rien. d'accord Souvent, c'est trop cuit, trop stabilisé. Il faut des produits frais, euh, enfin des déchets verts, etc. Plus c'est frais, mieux c'est. Et euh, on pense que ce sont les acides aminés qui vont être la voie royale. On a mené des expériences ici. Euh, c'est surprenant. Hein on pourrait en causer, mais on va le faire ça en aparté. Hein Merci. Ok et aussi, vis-à-vis -vis de l'urée, je pensais faire passer les brebis dans... Nous, on a surtout les prairies, mais dans les prairies et dans les vignes, est-ce que ça suffit en hibernation ben, Ça fait déjà pas mal, puisqu'en broutant les couverts végétaux, elles vont faire de l'urine. Donc c'est déjà un premier apport d'urée conséquent. Mais en fait, ce que l'on ne sait pas, c'est que dans la, dans la terre, dans le sol lui-même, il y a des très gros producteurs d'urine. Les vers de terre sont les premiers producteurs d'urine du sol. Et avec eux, les nématodes. En gros, plus vous aurez de nématodes, plus vous aurez d'azote. Et moi, je passe mon temps à les combattre, en fait. Non. En fait, quand je combats les nématodes, à tous les coups, c'est les mauvais qui gagnent, qui restent. Parce que c'est comme ça. La nature, elle a construit des pathogènes. Les pathogènes, ils servent à quoi Quand vous avez dégradé la biodiversité, il reste les pathogènes. Et les pathogènes sont là pour dégager tout le monde et reconstruire le système. Hein il faut vraiment le piger, parce que là, on voit arriver des plantes, du daturade, etc. C'est des plantes empoisonnées qui nous disent, stop, maintenant c'est nous qui nous allons nous en charger, on va reconstruire le système. Mais moi, agriculteur, je pars. Parce que je sais plus lutter contre cette plante-là. Donc, on voit bien que, à un moment donné, les nématodes, c'est les plus gros producteurs d'urine du sol avec les vers de terre. Il m'en faut beaucoup. Plus vous aurez de nématodes, plus vous aurez d'urine. Et plus vous aurez de nématodes, plus vous aurez les bons nématodes symbiotiques des racines. Parce que tous ne sont pas mauvais. Loin s'en faut. En gros, c'est 10% de pathogènes, 10% d'auxiliaires bénéfiques et 80% de euh, un petit peu neutres, qui, qui embête personne. Donc en fait, le problème, c'est que quand vous travaillez mal, vous enlevez d'abord les bénéfiques, puis les neutres, et puis finalement, il va rester les pathogènes.